hurlons. Et c'est étrange. Les enfants continuent de jouer. Et il fait toujours beau. Toujours. Et c'est étrange comme cela dure alors que la fin arrive. Elle est déjà là d'ailleurs, qui leur empêche d'entendre, qui nous empêche de dire, comme c'est devenu étrange. Pas d'ombre, ni de pleurs, ni de sang. Pourtant nous sommes là, misérables, méprisables, au cœur de la lumière qui déforme nos grimaces. Comme c'est étrange. Personne, ni quelqu'un, ni même quelque chose qui nous accueille et qui nous reçoive. Rejet du monde qui ne nous veut pas. Mais pourquoi? Pourquoi vouloir? Ou plutôt, quoi vouloir quand rien, plus rien n'est aimable? Alors c'est tout ce qui nous est encore possible, nous restons. Parce que nous avons été, oui, nous avons été, c'est certain. Pendant une seconde au moins, mais plus maintenant. Alors nous restons, c'est tout. Nous restons là où nous étions avant, comme l'empreinte reste après le pas. Qui répond? Peut-être l'autre, ou bien nous-mêmes, espérons, espérons, mais entendu sans jamais être écouté. Comment encore attendre une réponse? C'est étrange, la vie sans nous, et pourtant elle nous contient. Elle nous enferme, nous enterre pour nous empêcher de mourir. Mais comment supporter de surgir dans un monde qui gît? Et comment supporter de devenir gisant aussi? On dirait qu'il faut continuer, parce que ce serait trop étrange d'arrêter. Insupportable d'arrêter de tout ce qui est tragique. La fin attendue de quelqu'un d'inutile, attendue parce qu'il était inutile. Alors sans surprise, sans un mot non plus, il faut se résoudre. Nous vivrons seuls, gris et perdus. Mais peut-être une réponse. Comme c'est étrange.